Du coucou, de l'autre côté. Quelques grives. Et pour le reste, il faut la consulter un spécialiste. Ah, il y a quand même une tourterelle là derrière. Okay. Ah, un pic. Là, où est-ce qu'il est? Il est... Ah, ben, il doit être là en dessus. Ouais, bon, aujourd'hui, ça chante quand même pas mal, malgré la petite pluie. Hein. Ça devait être en 76, et c'est la première fois que j'ai vu passer là en bas trois laits avec 12 marcassins. Voilà. Puis après, ben, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Voilà une femelle nettrousse. Mais je suis un privilégié. Comment, à quelques kilomètres d'une ville de bientôt 500 000 habitants, on a encore des choses comme ça? Alors, il y a des gens comme moi qui sont touchés par ça, qui sont nourris par ça. Et puis il y a d'autres que je respecte aussi qui passent complètement à côté. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec les Milans. Avant de partir, de repartir pour l'Afrique, les jeunes qui n'ont jamais fait le voyage partent avant leurs parents. Alors là, c'est encore quelque chose de... que personnellement je ne connais pas. Il semble qu'ils aient un programme de vol intégré. Hein. Donc finalement, avec nos gros avions, on n'a pas inventé grand-chose. Hein. C'était une zone dans laquelle le Rhône faisait une boucle avant la construction du barrage de Verbois. Et puis ensuite de ça, ben, petit à petit, il y a eu toute une renaturation qui a été faite. Le Rhône, ben, je veux dire, c'est un miracle. C'est un miracle qu'il soit tel qu'on l'a aujourd'hui.
ce à quoi il a échappé d'implantation d'éléments humains, centrales atomiques, barrages, routes d'évitement, par exemple, de Russin, des choses comme ça. Alors, on est arrivé à un équilibre, mais qui est toujours difficile à établir entre les besoins humains, les besoins réels et puis les besoins supposés, et puis la nature. Quand même un des bels endroits sauvages de Genève. C'est un des endroits où on se sent un petit peu, n'y a qu'à regarder, en fait, on est un peu ailleurs, quoi. C'est pas Amazonie, ou c'est tout de suite un peu différent de la ville. Si on veut faire une balade puis revenir à son point de départ, faut qu'il n'y ait pas trop de courant. Sinon, ça devient un combat. Donc on doit faire un petit peu attention au courant. Qu'est-ce que tu fais de beau? Un petit drapeau. Ben oui. Et voilà. Ça, tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Hein? Comme ça? Tu permets? Ouais. Une libellule là-dessus. Ah tu ouais? Vois? Hein? Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que des fois, il y a des libellules qui viennent, mais elles sont assez grosses. Elles ont 4 ailes. Celle que j'ai vue la dernière fois, je crois qu'elle était rouge et jaune. D'accord. C'est grosse? Ouais. Ouais. Ça en a des plus petites aussi, dont le corps est bleu. Là, il y a 2 libellules. Voilà, bah, tu vois, c'est les petites 3 bleues, exactement. Puis si tu regardes bien, tu arrives à voir que sur le corps, il y a effectivement un certain nombre de... De petits. Là, ben, par ouais. exemple, ouais. il y en a 3, non, 4. Voilà, exactement. Tu as de meilleurs yeux que moi, tu vois. Elle est belle. Elle est superbe, hein. Elle est superbe. Alors, tu sais, c'est compliqué, les orchidées. Tu sais que dans l'orchidée, il y a la partie garçon et la partie fille. Et au fond, il y a... il faut que la partie garçon et partie fille se touchent pour que des graines se fassent. Puis ensuite, ben... Elle les lâche? Elle les lâche. Ces graines, elles vont partir. Mais elles doivent tomber dans des endroits où, sous le sol, il y a certains champignons. Et à ce moment-là, la graine peut commencer à pousser. Je ne sais plus ce que c'est, ça. Tu vois, certaines fois, il y a trop de choses. Et là, ma femme, elle en sait beaucoup plus que moi. Ça aussi, il y a du pollen dedans. Oui, oui. Alors, bien sûr. Bien sûr. Du pollen.
Puis c'est quoi comme vent maintenant? Je sais pas. Allez, regarde les nuages. Ils viennent d'où? De là-bas. Et c'est où là-bas? Nord, sud, est, ouest? Je t'embête. Hein. Nord. Ouais. Nord. C'est nord-nord-est. Là. Mais il y a une combine toute simple. Tu vas passer les avions, là. Oui. Alors, s'ils atterrissent comme ça, c'est qu'on a la bise. S'ils décollent, c'est le vent chez nous. D'accord? Voilà, une combine toute simple. J'ai travaillé pendant des années dans le socioculturel, mais au niveau enfants et parents. Et puis j'ai fait 20 ans dans le dépannage urgence. Alors, j'étais, comme d'autres, confronté à des problèmes humains, certaines fois carabinés. À l'époque, on ne parlait pas de burn-out. Maintenant, on en parle, oui. Mais on pouvait être submergé par une fatigue due à ce genre de travail. Et effectivement, pour moi, ici, se retrouver en pleine nature, en admirant ce qui se passe en nature, y compris des choses dures, hein, dans le sens que bah, c'est manger et ne pas être mangé. Il y a quand même toutes sortes de choses qui sont là, mais dans un cadre totalement différent. Et ça m'a permis de tenir pendant un certain nombre d'années. Et je continue maintenant en tant que grand-père. Voilà. Quoi, ces foutus avions, là. Mais bon. Ça, c'est ma Légion d'honneur, hein. C'est l'insigne de l'Union des gardes-faunes professionnels. Pas mal de gens là autour qui m'ont dit « Mais t'as ça d'où? Qui c'est qui t'a donné ?» Alors en fait, ça m'a été remis par un grand bonhomme, un très grand bonhomme, qui s'appelait Jean Stotz, c'était un garde-faune, et il a travaillé tout le long du Rhône. Et puis il m'avait nommé garde honoraire, parce qu'on a passé passablement de temps, certaines fois de nuit, sur des affûts pour de la régulation au niveau des sangliers. Par exemple, ce qui a été retourné là, bah, c'est les sangliers qui l'ont fait. Avec l'humidité qu'on a eue ces temps, il ne faut pas oublier qu'ils se souillent dans de la boue, à la fois pour enlever des insectes qui ont sur eux, mais surtout pour se refroidir. Je suis un peu hésitant par rapport à ces gens qui descendent le Rhône, dans le sens que s'ils respectent les lieux et s'ils connaissent un certain nombre de choses, et dans ce sens-là, ça entraîne de leur côté du respect, pas de problème. Mais maintenant, mon hésitation, c'est que peut-être sur 10 personnes qui respectent les lieux, dans 10 ans, on en aura peut-être 90 autres qui n'y connaissent rien, qui se mettent en danger. Et dans ce sens-là, c'est de nouveau une emprise humaine sur un lieu où la nature reste encore maîtresse de la zone. Et je trouve que c'est dommage. Mais en même temps, je peux parfaitement comprendre, il fait beau, on descend en canoë, on descend en paddle, etc. Et tout. Mais voilà, donc je suis très ambivalent à ce sujet-là. Là, normalement, il y a des crocodiles pour les gens. Je dis, bon, pas aujourd'hui. Mais...
puis maintenant, bah, les gens ils commencent à oser aller dans le Rhône, voire trop, parce que les gens oublient qu'il y a du courant, puis que si on nage là-bas, bah, on part. Après, il faut sortir, quoi. Donc là, il y a encore un... Les gens viennent, c'est pas encore très bien... Réglementé. Très bien réglementé, c'est pas l'air très clair pour l'instant. J'ai fait beaucoup d'ornithologie en étant enfant. Il y a la zone qui est un petit peu plus basse, qui est un endroit, qui est une réserve où j'allais tout petit et que je connais très bien, où j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup. La relation à la nature, c'est vraiment hyper important, quoi. Je suis un peu issu d'une famille de hippies musiciens, donc j'ai toujours été proche de la nature et proche de l'eau depuis tout petit, quoi. Salut. C'est pas très profilé, quoi, un sanglier. C'est un peu des petites pattes et un gros corps, mais ça nage très bien. Puis souvent, ben, bon, cette année on l'a pas vu encore, mais bah, il décide de traverser le Rhône, quoi. Plutôt que d'aller de ce côté-là, il traverse, puis on voit le sanglier qui passe, puis ça fait de la distance, il y a plus de 300 mètres comme ça, puis ça nage très très bien. C'est l'aube, c'est le renouveau, quoi. Chaque jour, c'est vraiment le renouveau. Et ça, on le sent quand on sort tôt le matin. Les odeurs qui ne sont pas du tout les mêmes le matin que plus tard, hein, avec le soleil, les odeurs changent beaucoup. Avec la chaleur, pas le soleil, mais avec la chaleur. La queue d'un merle. Le temps que je fasse la photo, il était loin. C'est ce qui arrive souvent. Au bord du Rhône, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est cette masse qui avance, qui est tellement des fois calme à la surface, mais on sent la puissance de la nature qui est immuable. C'est tout le temps cette puissance qui est là, tous les jours. Je trouve qu'on est drôlement petit à côté. Les oiseaux, je crois que c'est plus un prétexte à être dehors, dans la nature, pour profiter d'être à l'extérieur. C'est un monde que je découvre depuis pas très longtemps. Pour moi, avant, les oiseaux, ça s'arrêtait un petit peu aux petits, aux grands, à ceux de jour, à ceux de nuit, aux moineaux, aux pigeons. Enfin, voilà une idée très stéréotypée de ce que peuvent être les oiseaux. Et là, je me rends compte d'une variété, mais extraordinaire, avec des oiseaux de toutes les couleurs. On n'a même pas idée qu'ils sont là, qu'ils vivent ici. Alors peut-être, suivant les saisons, ils sont là, mais c'est quand même assez impressionnant de voir cette diversité.
beaucoup. Un loriot. Je l'ai vu juste passer, mais je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Oh, un merle. Un merle. Ouais, au bout de la petite île, là. Et puis derrière, ouais, t'as une bergeronnette. Les bergeronnettes, on en voit souvent aussi vers l'embouchure. Hein. Ouais, ouais. Ouais, on les voit bien là-bas, c'est beau. Non, ce qu'on attend encore, on va voir, c'est le problème des matins pêcheurs, dans le sens où ça fait 2 ans que tous les étangs ont été gelés, on a quand même une mortalité beaucoup plus importante à ce moment-là. C'est difficile, là, de voir. Ouais, ouais. S'il ne bouge pas, elle est toujours... Ah, voilà, ça y est. Elle s'envole. Il y a une 20-25 observateurs, observatrices aussi. Il y a passablement de femmes. Il y a des gens qui font des photos et des choses comme ça. Puis petit à petit, on fait connaissance les uns avec les autres. C'est tout un petit monde. Je ne connais pas les noms de famille, ces gens-là. Mais voilà, hein. On en est là, quoi. Ouais. Ouais. Bonjour. Il y a encore du poisson? On est mal parti pour la friture. On prend plutôt l'air et le soleil que le poisson. Bon, s'il y en a un qui est mort, on est bien content, mais... Ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit les autres pêcheurs qui prennent rien non plus. Ça, t'es des Français, je sais pas, hein. Lui, il les connaît là-bas. Ah, ouais, mais ils sont bon, pas suisses. Lui, c'est le vrai Français. Moi, je suis international, moitié basque, moitié français, un peu de tout et rien du tout, quoi. Hein. Oh, le bon vivant... Voilà, messieurs, santé. Discuter, ça sèche le gosier. Hein. Et puis santé à tout le monde. Les grettes gazettes là-haut. Actuellement, moi, j'ai revu. Tu connais le rythme un peu? Oui, oui, plus ou moins. Bon. Bon, ben, les biches. Alors, les biches qui ne sont pas portantes sont redescendues il y a en tout cas un mois et demi. Je regarde sur mes observations. Et là, au maximum, j'en ai eu 35. Il y avait des jeunes aussi, des jeunes mâles qui ont atteint leur maturité sexuelle et qui se sont fait ficher à la porte. Donc pour le moment, les jeunes mâles, ils restent en satellite autour de l'arde où est leur mère. Certaines fois, ils n'y comprennent rien. Ils reviennent, puis elles les refouent à la porte. Mais je ne pense pas qu'il y ait de très grandes différences par rapport à la chaîne du Jura. Je dirais que dans des moments comme ça, je suis. Je suis, j'existe. Moi, je fais partie de tout ça. Je crois que ce « je suis, j'existe » et puis « je fais partie de tout ça », ça résume assez bien. Alors, il est clair que je suis bien, parce que si j'étais mal, je ne serais pas ici, quoi. Voilà. Je ressens un grand bonheur et j'aimerais que ça continue. J'aimerais par exemple aussi qu'un jour on puisse réintroduire ou laisser revenir la loutre. Soit naturellement, soit
histoire par réintroduction, ce sera super, parce que d'une part, il faudra une qualité d'eau tip-top, d'autre part, une quantité de poissons conséquente, et là, alors, on va avoir des problèmes avec les pêcheurs, hein, de nouveau, les humains, la nature, mais dans ce sens-là, ce sera un signe, au fond, qu'on a fait encore un pas en avant. Ça, je ne le verrai peut-être pas. Voilà.